Depuis la loi sur la parité, on peut dire que aux élections législatives, élections locales de 2014 d'abord et aux élections législatives de 2017, nous avons eu effectivement l'application de la loi sur la parité. Et au niveau des instances locales, surtout à notre niveau, au niveau de la commune de Yoff, où c'était une première, nous avons constaté qu'au niveau du bureau, nous n'avons pas eu un bureau égalitaire. Ça, on l'a déploré. Nous n'avons pas eu le temps de faire un recours, comme dans les autres collectivités. Mais même dans certaines collectivités où il y a eu des recours, ça n'a pas été appliqué. Donc, on peut dire que au niveau de l'élection, sur les listes étaient paritaires, mais au moment de l'élaboration, donc de l'élection du bureau des instances communales, nous n'avons pas eu l'application effective de la loi sur la parité. Nous n'avons pas eu homme-femme, ou bien il y a eu des bureaux où, nous, dans notre commune, nous avons le maire et 4 adjoints, mais nous n'avons eu qu'une seule femme, membre du bureau, donc adjoint au maire, et qui est deuxième adjoint au maire. Alors que le premier adjoint au maire devait être une femme, mais c'est un homme qui est venu, c'est par la suite qu'une femme est venue, les deux autres étaient des hommes. Vous savez, au niveau, une fois qu'on élit le maire, et au moment même de l'élection du maire, il y a des combines qui se font en fait. Et le maire qui est élu donc, a un certain pouvoir, je pourrais dire, sur les conseillers qui sont élus, et il peut, à la faveur du nom de sa majorité, il peut demander à sa majorité de voter pour tel et tel adjoint au maire. Et c'est ainsi que les femmes n'ont pas tellement de droits, enfin n'ont pas tellement de... Nous avons été confrontés à ce problème, où le maire, c'est lui qui a décidé en fait des conseillers qui devaient être là. Nos instances communales, une fois qu'elles sont élues, le maire a un certain pouvoir. Et s'il n'accepte pas de partager ce pouvoir avec ses conseillers, il y a un réel problème, surtout pour les femmes. Elles ont beau vouloir se faire entendre, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça, actuellement, nous sommes en train de nous organiser au niveau national, peut-être pour sensibiliser davantage les femmes, mais surtout les hommes également, et même les leaders des partis politiques, pour une meilleure prise en compte de cette parité, mais surtout une meilleure prise en compte des femmes au niveau des instances de décision de ces organes-là. Dans le processus de décision, c'est pas évident lorsqu'elles ne font pas partie du bureau, mais elles peuvent travailler au niveau des commissions, si elles peuvent intégrer les commissions et y travailler. Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce que leur voix sera entendue. Et au niveau de la ville de Dakar, où je suis conseillère élue, effectivement, je fais partie de la commission éducation et la commission santé. Et à ce niveau-là, je peux dire que je participe effectivement dans ces commissions et activement aussi. Et là, on peut dire que le travail que nous faisons est pris en compte. Bon, dans les autres instances aussi, on peut dire que, en fonction, vous savez, le maire, en fonction de ses affinités avec les conseillers, ou en fonction de son bon vouloir, il peut travailler avec ses alliés, ou il peut travailler avec les membres de son parti uniquement, ou uniquement avec les personnes avec qui il veut travailler. C'est pour ça, en fait, et ce ne devrait pas être le cas. Normalement, le maire et ses adjoints doivent travailler avec tous les conseillers, toute obéissance confondue, pour avoir les résultats escomptés, parce que tous les élus sont là, sont élus pour travailler pour les populations. Et si on prend en compte les préoccupations des femmes élues, et si on les intègre réellement à la gestion de la commune, on peut avoir des meilleurs résultats.
Parce que les femmes sont, sont les meilleures, je peux dire, personnes qui sont au fait des problèmes des populations, des besoins des populations. Donc, prendre en compte les préoccupations de ces femmes-là, c'est vraiment vouloir faire des résultats. Donc, c'est pour ça que nous encourageons, nous, les maires et les bureaux et leurs bureaux, donc leurs adjoints, et les commissions de faire travailler au maximum les femmes qui veulent travailler en fait dans ces commissions. Même l'Assemblée nationale, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas d'école où on forme des députés, on a l'habitude de dire. Et les députés qui arrivent, la plupart ne sont pas au fait de leur mission. Et c'est par des sessions de renforcement de capacité qu'ils sont en mesure de pouvoir faire leur travail et d'assumer les missions qui leur sont assignées. C'est la même chose pour les conseillers. Normalement, au début de chaque mandat, le maire ou bien le bureau du maire, ils doivent capaciter les conseillers. Et même au niveau du conseil, on a au niveau du conseil municipal, il y a des compétences. Dans notre commune, on a des compétences. Mais ce qu'il faudrait, vous avez l'administration municipale d'une part et les conseillers municipaux. L'administration municipale fait le travail. Par exemple, le travail pour le budget, l'élaboration du budget, tout ça, c'est l'administration qui fait ce travail et qui le soumet aux conseillers. Les conseillers, effectivement, doivent être en mesure de pouvoir lire un budget, de pouvoir le discuter. Mais une fois qu'ils sont en capacité, ils sont en mesure de comprendre. Et il ne suffit pas seulement de pouvoir lire un budget. Là, au niveau du conseil municipal, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre en compte les préoccupations des populations qui ont élu ces conseillers-là. Et le budget, si on leur explique que pour le budget à venir, on va faire telle et telle réalisation, les conseillers peuvent apprécier. Ils sont là pour apprécier le travail qui est fait par l'administration, mais aussi ce travail fait par l'administration doit être précédé par une consultation avec les populations. Et le conseil municipal, normalement, dans les textes, doit pouvoir faire un budget participatif. Ce budget participatif qui est fait en concertation avec les représentants des populations. C'est pour ça qu'il est même prévu dans le code électoral que la commune a la possibilité, il est même recommandé, de travailler avec différentes instances comme un cadre consultatif, par exemple, qui regrouperait les représentants des ASC, les personnes ressources au niveau de la commune. Et le conseil municipal leur présenterait d'abord, avant le vote du budget, devrait présenter aux différents représentants des populations de la commune le projet de budget et leur expliquer ce qu'ils veulent faire pour l'année à venir, par exemple. Et si c'est fait, c'est après, au cours d'un débat d'orientation budgétaire, au niveau de la commune, on peut voir qu'est-ce qu'on va effectivement réaliser pour l'année à venir, ce qui sera adopté par la suite par les conseillers. Donc cette consultation préalable permet d'avoir un budget participatif. Et les conseillers qui sont déjà capacités dès le début de leur mandat sont en mesure de pouvoir répondre. Il ne suffit pas d'être alphabétisé en français pour pouvoir être un élu compétent. Mais il faut être un élu vraiment au fait des préoccupations des populations qui les ont élus, de pouvoir recueillir ses besoins et de les traduire dans un budget. C'est ça qu'on attend d'eux, en fait. Les compétences des communes, c'est quoi? Nous avons 9 compétences, dont les plus importantes, je dirais, vous avez l'éducation, la santé, l'assainissement, le logement. Et pour tout ça, les femmes sont toujours au devant. Dans les écoles, si vous allez, qui c'est qui amène les enfants à l'école? Qui c'est qui s'occupe de l'éducation des enfants? Ce sont les femmes. Pour la santé, allez-y. Dans les centres de santé, les postes de santé, c'est les femmes qui amènent leurs enfants.
Donc, l'assainissement, c'est les femmes qui s'occupent de l'assainissement autour de dans leur cité. Donc, les femmes sont vraiment les plus à même de comprendre les problèmes de la décentralisation, les problèmes des compétences transférées. Et si on leur donne les possibilités vraiment de s'exprimer, elles pourront mieux rendre compte les besoins des populations. Parce que c'est elles qui sont plus en contact avec les populations que les hommes. Les femmes sont dans les daras, les femmes sont dans les associations, les femmes sont avec les jeunes, les femmes sont mères. Et donc elles sont partout. Et nous avons une population où les femmes sont majoritaires. Plus de 52% de femmes nous avons au Sénégal. Donc nous ne pouvons pas développer nos communes sans l'implication forte des femmes. Et les femmes, même non alphabétisées, je vous assure, elles sont capables de plein de choses. Vous allez dans le monde rural, c'est elles qui sont, même au niveau des entreprises. Allez dans le fleuve, dans la région du fleuve, où on cultive le riz, vous verrez des femmes qui sont comme Korka, qui sont des chefs d'entreprise. Donc elles sont même plus actives que les hommes. Donc d'impliquer dans le développement, dans la gestion même de ces communes, je pense, c'est apporter un meilleur développement à ces communes. Et je dirais, le Sénégal, notre pays ne peut pas se développer sans le développement de ces collectivités territoriales, qui commencent par la commune, et peut-être le niveau département, mais surtout la commune, vraiment, est le meilleur endroit où on peut développer le Sénégal. Il faut d'abord sensibiliser les femmes. Les femmes, au niveau politique, pour qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles sachent qu'elles peuvent être dans ces instances de décision au niveau des communes. Parce que si vous allez dans les campagnes, pendant les élections locales ou nationales, c'est toujours les femmes qui sont mises au devant. C'est elles qui mobilisent, c'est elles qui font tout le travail, et au final, c'est les hommes qui sont dans les instances de décision, à leur détriment. Maintenant, les femmes en sont conscientes. Je suis personnellement membre même d'un programme actuellement, c'est le programme WPP, Women in Participation, in Political Participation, dirigé par le professeur Fatou Sossa. Et nous sommes en train de sensibiliser vraiment les femmes pour qu'on ait le maximum de femmes maires pendant les prochaines élections locales. Parce que tenez-vous bien, actuellement, nous avons 557 communes. Et sur ces 557 communes, nous n'avons que 17 femmes, 15 femmes élues maires, plus deux qui ont remplacé deux autres maires. Actuellement, on est à 17, mais on était à 15 femmes élues, tout simplement maires. Maintenant, on est à 17. 17 sur 557, vraiment rien du tout. C'est rien du tout. C'est pour ça que nous avons l'objectif d'avoir au moins 10% de maires, de femmes maires, pendant les prochaines élections. Et nous voulons, pour ça, nous sensibilisons vraiment le maximum de femmes à vraiment à développer leur leadership au niveau local, mais aussi à se battre pour accéder à ces fonctions-là. Et nous avons aussi demandé aux leaders politiques d'encourager les femmes à vraiment prendre leurs responsabilités. Parce que souvent, elles peuvent le faire, mais bon, il y a le problème peut-être de moyens qui fait qu'elles ne veulent pas s'engager. Pourtant, les hommes n'ont pas souvent les moyens, mais ils vont les chercher et ils les trouvent. Et les partis aussi, si les femmes sont investies, que les partis les accompagnent pour qu'elles puissent faire une bonne campagne et qu'elles puissent accéder à ces postes de décision. Et même si elles ne sont pas mères, qu'elles soient au moins premières adjointes. Quand un homme est maire, il faut que systématiquement que le premier adjoint soit une femme. Ça aussi, c'est un combat que nous menons, nous, au niveau de notre parti, en tout cas, c'est ce que nous disons à nos femmes. Allez-y, battez-vous. Si vous ne pouvez pas être maire, soyez premier adjoint. Ça, c'est votre droit le plus absolu.